Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 92 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dead Space 2. Dead Space 2 qui est une sorte de survival horror dans l'espace. Donc apparemment on va être sur un vaisseau, à ce que je me souviens. Alors c'est parti, Dead Space, appuyez sur une touche pour continuer. Donc c'est à la première personne, une sorte de FPS. Hein. Hop, non je veux pas me connecter. Alors, on va... jouer alors en mode solo. J'étais un peu perdu, désolé. On va faire une nouvelle partie. Voilà. En mode facile. On va pas s'embêter, regardez, on peut aller en fanatique, voire plus loin. Mais non. On va jouer en mode facile. Et c'est parti. Isaac, tu m'entends? Réponds, Isaac! Oh, pardonne-moi! M'en veux pas, Isaac, c'est à cause du décalage. Non, non, c'est je rien. Te rappelle. C'est bon. Et comment ça va? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année Isaac, prochaine. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir tant soutenu, je crois bien que sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Tu m'entends? Isaac? Isaac, tu m'en sors? Isaac! Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait... Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, oui. De la mission de forage secrète des J-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe! Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Isaac? Isaac, vous m'entendez? Oh. Dana, j'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, mène-toi le cul. Bon. Ok. Doudou, c'est ça. Tiens, je vous enlève cette camisole. Où on est? On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Entrer dans le jeu un peu précipité. Alors tout de suite ce que je dois faire c'est que je dois me barrer en courant. Donc on a un vaisseau plein d'aliens. Bizarre, notre pote là qui nous a réveillé, bah il s'est fait dévorer l'intérieur. On a pas trop compris. Alors il faut que je me dépêche de me barrer. Allez. Ah donc là il y a
Une porte. Ah, je me fais attaquer. Alors, je dois appuyer sur E. J'appuie sur E. Hein. Voilà. Donc, c'est l'animation qui se fait un peu tout seul. Hein. Il fallait juste appuyer sur la touche E. Donc, il vient de se faire déchirer. Allez, il y a moins de monstres ici. Épisode 1. Alors, ça sera pour sauvegarder. Une petite balise. Hop, j'appuie sur E devant. Voilà, on voit. Ça doit être un emplacement. J'accepte. Donc, j'imagine que ça a sauvegardé. Alors, on va passer la porte. Allez, c'est parti. Alors. Oula. Oh, je me fais tirer dessus. Non. Alors, il y en a un qui vient de se faire bouffer. L'autre aussi. Ça m'étonne pas. Je vais peut-être pas essayer d'aller en dessous. On va éviter. Hop là. Oula. Non, mais ça, c'est un des morceaux du mec. Donc, je suis dans une camisole. Hein. Je fais signaler. Hein. Je ne peux pas bouger. Pas bouger au niveau des mains et tout ça. Donc je me demande d'ailleurs comment je fais pour ouvrir les portes. Voilà. Alors où c'est qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est dans un bureau, je peux pas passer, il faut que je passe par là. Donc là oui, c'est les vitrifiés. Oula, il y a une petite vidéo. On va regarder deux secondes. Ça porte bien mieux aujourd'hui, vous trouvez pas? J'ai mal. J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. C'est un enregistrement de je ne sais pas quoi. Ce qui a dû se passer sur le vaisseau. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu? Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir. Très sombre, avec du rouge qui brille. On dirait que le mec qui est derrière, c'est nous. Mais on va pas rester 10 ans, ça va peut-être durer un moment. C'est assez fermé. Quand c'est bleu, c'est ouvert. Quand c'est orange, c'est fermé. Hop, 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 on fonce. On ouvre une autre porte. Alors, oula, là, il y a un mec. Attention, oula. Venez. Pas sur quatre, je me souviens bien de vous. Steinman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez. Abandonnés. Et quoi d'autre? Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. Comment? On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Borix en rouge. Bien rouge. J'ai un kit de soins et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez-y. Hop, on appuie sur E pour ouvrir. On prend, on appuie sur A pour utiliser, premier soin. Et on appuie sur E pour prendre la torche. La torche qui devrait fonctionner avec une touche normalement. Attention. Oula, oula, sérieux, il est sérieux ce mec? D'accord, ok, il vient de se trucider la tronche. Il s'est entaillé le. Enfin, il s'est coupé la gorge, quoi. Complètement débile ce mec. Ah, c'est qui ça? Isaac Clark, c'est bien vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dana, je suis là pour vous sauver. Hein? Que se passe-t-il? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique. Donc ouais, il y a une petite dame qui nous a parlé. Ouais, on a pris l'ascenseur, hein, vous avez vu, j'appuie sur le bouton. Oula, il n'y a rien du tout là. Il se passe rien. Non, alors, je peux pas taper, voilà. Donc j'ai trouvé la touche pour allumer la torche. Ah bah, de toute façon, ils me le disent. Ah non, ça c'est le traceur. Alors le traceur, ça me sert à me dire là où je dois aller. J'ai cru voir passer quelque chose. Non. Voilà, donc là, c'est pas pour rien qu'on a une torche. Le traceur, il nous dit qu'il faut qu'on suive cette route-là.
Il y a un... On voit pas tellement. Oula, il y a un... cadavre sur la chaise. Oula. Ça fait peur. Ça fait peur, les trucs qui s'allument comme ça. On continue, on est sur le bon chemin. Oula, donc là, il y a une porte fermée là-bas. Ah, il y a un truc par terre. Un enregistrement. Transmission, c'est marqué. Appuyez sur table. Rapport procédure service 14-18. Nous nous sommes récemment rendu compte que les bâtonnets glacés... Alors, pour l'instant, on continue d'avancer. Enfin, j'essaye. Je suis bloqué. Merde. Voilà. Alors là, c'est la porte qui était de l'autre côté. Ah, on va pouvoir sauvegarder. Allez. C'est bien de pouvoir sauvegarder de temps en temps. Voilà, accepter, j'écrase. Hop. Allez, on continue. Ouvrir. Oula, un peu de la fumée. On entend des bruits, c'est un peu suspect, mais c'est pas grave. Voilà. Là aussi, le petit bruit qui arrive. Ah, ça fait pour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On voit un peu tout flou, ça a été tout rouge pendant un moment. Ouais, ouais. Hop là. Allez, on ouvre. Donc ça, c'est un conduit d'air, d'évacuation, j'en sais rien. Donc on avance dedans, on peut voir de gauche à droite. Pour tourner, j'imagine qu'il faut utiliser la souris. Voilà. Oula, il y avait un monstre. Il s'est barré. Il y a plein de moments où on peut mourir dans ce jeu, mais où on meurt pas en fait, où c'est que le monstre se barre. Donc là, il y a la lumière en dessous. Ah bah ça m'étonne pas, on passe à travers. Oula. Donc il y a un mec sur une machine. Ah, encore un enregistrement. Ah non, c'est l'autre qui nous parle. Qu'est-ce qu'on a à faire? La machine peut-être. Ah oui, désactiver. Hop. Je sais pas comment employer le mec là. Ah bah il est mort. D'accord, on vient de récupérer quelque chose. Viser et appuyer sur F pour prendre les objets. Enfin, attirer plutôt, comme c'est marqué. Oh là là. D'accord, donc on peut jeter les objets. Oula, je viens de casser une vitre. Est-ce qu'on peut s'amuser à les prendre pour tuer les monstres? Les monstres qui sont pas beaux du tout, d'ailleurs. Oh là, il y en a un deuxième. Ouais, ils sont vraiment pas beaux ces monstres en tout cas. Est-ce que j'en aurais besoin encore? On sait jamais, au cas où on croise encore un autre monstre. Non, il n'y a pas l'air. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Il y a une porte, elle est fermée. Mais elle est fermée, on peut pas y aller. Alors. On va continuer. Il y a un peu du sang partout, je trouve. Hein. Un peu rouge, quand même, le décor. Alors, ça, c'est l'ascenseur encore. Appel. Voilà. Eh ben, on reprend l'ascenseur. Je sais pas où on va. Qu'est-ce que c'est? Mini kit de soins. On récupère, on appuie sur A. Hop là. Et on prend l'ascenseur. Alors, je sais pas si on descend ou si on monte. C'est pas très indiqué. J'espère franchement qu'on monte parce que bon, descendre et descendre, c'est pas forcément le top. Ouais. Je sais pas pourquoi ça sent le piège. Ah bah voilà. Putain, ça fait peur, ça fait sursauter. Ah là là. Je m'y attendais, mais qu'est-ce que ça fait sursauter quand même? Donc là, on a plus de lance, donc on leur met des coups de poing. Alors, on peut ramasser des crédits, j'ai vu, hop. Ça doit nous servir à acheter des objets, j'imagine. Regardez comment ils sont pas beaux. Voilà. Dégueulasse.
Oula, il y a encore des trucs par terre. Non, allez. Merde, c'est où? Non mais j'ai dû les ramasser. C'est un morceau de mec. Donc comme par hasard il y a un mec au milieu, je pouvais pas passer de ce côté, faut que je fasse le tour. Là. Et on va remonter par cet escalier, enfin cet escalier, cette montée. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? Appuyer sur espace pour casser les objets. Et achever les corps, j'imagine. Bon, en fait, c'est pour trouver les objets, au moins c'est plus pratique. Ah, fauteuil roulant de merde. Ah, un cadavre. Ah ben voilà. J'ai tapé dedans et il apparaît un truc. D'accord. On trouve des crédits ou on va dire de l'argent sur les cadavres des gens. En les démembrant, évidemment. J'ai entendu un mec, mais je sais pas où il est. Alors, où c'est qu'on est? Oh, il y a encore un mec au milieu. Ouais, on a vu un monstre là-bas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il fout là-dessus? Ouais. Je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Oh mon dieu! Putain! Bordel, lui, qu'est-ce que vous foutez? Allez! Ah bah, il est en train de se faire déchirer, le mec. Et voilà, il lui manque une jambe, il lui manque tout. Voilà, mais il a plus de tête non plus. Magnifique. Alors, nous, on vient de récupérer une arme. Alors, vous remarquez à quel point on arrive à faire des armes avec des trucs qu'on trouve. Énergie plasma. Hop, hop, hop. Ah, vas-y, crève. Lui a tiré dans la tête. Est-ce que l'énergie plasma, ça va nous servir à... pour l'arme, je pense. Ça doit être au niveau des recharges de munitions. Là, il en reste 4. Ouais, oula. Un monstre pas beau. Allez, crève. Voilà. Non, bon, il nous a rien donné, il est un peu foireux. Qu'est-ce que c'est que ça? Énergie plasma. Et là-dedans, énergie plasma par terre, et on peut pas ouvrir ce truc? Non, 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 il veut pas s'ouvrir. Moi, tant pis. Oula, il m'en reste 2. Isaac, c'est Dana. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. Donc il faut bien que je les démembre, ouais, donc que ce soit que je leur coupe la tête ou... que je leur explose la tête plutôt, parce que bon, c'est pas vraiment le terme découpé. Alors... Ah, une sauvegarde. Allez, donc, on va sauvegarder. Voilà. On utilise le premier, j'écrase, ouais. Hop là, ça, c'est fait. On peut continuer à jouer. Ça, ça se récupère pas. Ça, non plus. Bon, bah, on passe la porte, on va pas s'embêter. Alors, est-ce qu'on a des monstres? Non. Je sais pas pourquoi, ça sent un peu le fion ici. Je sais... on a rien du tout, mais je sens qu'on va en avoir tôt ou tard. Il doit y avoir des trucs de cachés, ça fait, c'est bizarre qu'il n'y ait rien du tout. Ah! Putain, ça fait peur! Un con! Ah, les mecs, ils font exprès, quoi. Crédit, 1000. Ah, bah voilà, des monstres qui arrivent, on sait pas d'où. J'entends des bruits, voilà. Encore un. Ah, il a encore un. Ah, il m'a. Fait peur. Ah, il crève. Enfoiré. Remarquez à quel point on arrive à démembrer des gens juste avec un coup de pied. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Si je vous mets un coup de pied, vous explosez, il y a du sang partout.
je vous démembre entièrement. Donc là, les deux portes sont fermées. Ah, tiens, il y a une petite boîte. Ah ben non. Je pensais qu'il y aurait du plasma, non, du crédit. J'ai pas encore trop vu l'utiliser du crédit, mais peut-être que ça servira. Allez, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une boîte. Ouais. Hop. Ouais, recharge, appuyez sur F. Ouais. Ouais, j'ai pris tout ce que j'ai pu, on continue. Peut-être juste une pièce pour le fun. Là, il y a une lumière bleue, c'est quoi, c'est un enregistrement? Est-ce que je peux récupérer ce truc, s'il vous plaît? Donc ça, c'est des recharges. Non. Il me semblait avoir vu un enregistrement par terre, c'est pour ça, je pensais que je pouvais le prendre. Non, bon, on continue. Il y a quelqu'un. Non. Il n'y a bizarrement personne. Ah ben là, on est revenu là où on était. En fait, on tourne en rond. C'est ça, en fait. Ah. Énergie plasma. On vient de tourner en rond. Hein. Je suis pas fou. On vient de là. Là, il y a quelque chose, là. Il n'y a rien à récupérer, là. C'est pas un enregistrement, ça. Il y aura peut-être un bug avec celui-là. Ouais, donc attendez. Donc là, on vient de revenir quand même là. On peut pas aller là-bas. Est-ce que je peux revenir par là? Ah bah, apparemment. Mais je reviens en arrière ici, non? Est-ce que je ne suis pas en train de revenir en arrière? Isaac, venez. Ah si, un peu quand même. Ouais. Bon bah on va le suivre. Hein. Il est parti en courant l'enfoiré. Eh ben on va courir aussi. Allez, allez, allez. Hop. C'est bizarre qu'on n'ait pas croisé des monstres. Ah le foireux, regardez. Ah je peux pas passer évidemment. Allez, on va trouver un autre chemin. Ça aurait été bizarre que je puisse passer. Qu'est-ce qu'il y avait là? J'ai pas trop vu ce que j'ai ramassé. Ah, ça on entend du monstre là. Ah là. Oh, il y en a partout. Ouais, con. Eh, ils viennent de où les monstres là? Putain, il arrive de tous les côtés. Il y a encore un de là-bas. Allez. Putain, par terre, il est pas mort. Lui non plus. Énergie, plasma. Ah, je crois bien qu'il est mort. Hein. Voilà. Ah, mais bizarrement, l'alerte est finie. Donc, ce qui doit nous indiquer okay, qu'il n'y a bon. Plus de monstres. J'ai besoin de vous. Répondez. Isaac, on ne se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Oui, non, moi je la connais pas. Effectivement, c'est bien cela. Encore du crédit. Et il n'y a rien d'autre, tout est détruit. Je peux retourner de l'autre côté, encore. Si je vais là-bas, je retourne là où j'étais, non? Oui, c'est là d'où je viens, je crois, ça. Ouais, les deux portes fermées. C'est exactement de là d'où je viens. Ça fait chier. Allez, on va là-bas, on va à gauche. Et on va suivre là où est parti le mec. Ici. Parce que du coup, il est parti là encore plus, je pense. Non. Non, c'est là d'où venait le monstre. Là, je suis perdu. Ça se ressemble un peu partout. Un peu la même chose. Alors, oula, énergie. Hop, on continue, on ouvre la porte. Alors,
Encore des portes et des portes, toujours des portes. Ça va devenir complètement fou toutes ces portes. Je sais même pas où aller. Ouais, non mais là je viens d'ici, non? Ouais, je suis arrivé par où? Par là? Ou par là-bas? Voilà, encore une porte. Attends, je viens de l'ouvrir celle-là. Donc on va aller sur celle-là. Hop. Ah, une sauvegarde. Hop là. Et donc, on va pas aller plus loin. Pour Dead Space. Ah. Donc, voilà. Je pourrais continuer, mais je pense que ça va être un peu long. Donc voilà, ce sera tout pour Dead Space 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.